Stackafold, c'est l'assurance participative. Là, ça vient pour compléter le dispositif de la finance participative. Les banques participatives ont commencé leur activité depuis maintenant 2 ans, il me semble, 2 ou 3 ans. Et évidemment, ils ont besoin aussi de l'assurance Stackafold, parce que quand vous achetez une maison, une résidence, en utilisant la banque participative, vous avez besoin de l'assurance en cas de décès. Pour que vos descendants, vos héritiers n'aient pas à payer la somme due encore sur le crédit et sur l'achat. Le projet avance bien. Je pense qu'on a été. Il y a déjà une loi qui avait été votée. Le Conseil supérieur de l'EMA a émis un certain nombre d'observations, donc nous avons dû faire un amendement. L'amendement a été approuvé en première chambre du Parlement, et lundi, on aura la discussion dans la deuxième chambre. Et l'idée, c'est que cette assurance Stackafold, qu'on puisse effectivement démarrer à la fin de l'année, voire en janvier prochain. Alors après.